En famille, en groupe ou individuellement, les Abidjanais ont convergé en grand nombre vers les lieux de culte pour accueillir 2014 dans la spiritualité, comme ici à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Je pense que tous les Ivoiriens aujourd'hui sont heureux de pouvoir célébrer ce passage d'une année à une autre. Autre lieu, autre décor, les églises évangéliques à Cocody du Plateau et à Yopougon. Ici également, l'heure était au recueillement et à la prière. 2014 sera une année importante pour la Côte d'Ivoire, une année d'espoir, une année où Dieu demande aux Ivoiriens de revenir vers lui afin qu'ils puissent changer leur destinée. Je souhaite à tous les Ivoiriens, à toute la nation, une année de paix, une année de joie, une année de tranquillité. Liesse de joie à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody Ancré quand arrive minuit, le moment attendu. L'instant devient magique avec les bougies allumées. Des pas de danse esquissés pour célébrer la nouvelle année. Je voulais bénir le Seigneur, lui rendre grâce pour cette fin d'année et surtout pour cette nouvelle année qu'il veut bien nous accorder. J'ai préféré venir à l'église pour dire merci à mon Dieu parce qu'il m'a accordé encore un an de plus. 2013 vient de finir avec son lot de bonheur et de mauvais souvenirs. Voici donc 2014, une année d'espérance et de paix. Vœux chers aux chrétiens ivoiriens.